Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl qui va voir s'affronter les Hydra aux Nurgle's Rotors de Nurgle, des putains de guerriers du chaos. Donc ils ont un parchemin comme d'habitude, 3 pots de vin, 4 entraînements complémentaires et c'est parti. Donc la créature de Nurgle, très très jolie, donc ils ont 9 relances, bien entendu, ils ont 9 relances. Un parchemin, on va se le prendre, j'espère juste qu'on va pas avoir de blessure. Par contre ils ont pas beaucoup de pop-up girls, je sais pas trop ce qu'ils font avec. Et la corruption, ça m'étonnerait qu'elle leur serve, on verra. On verra ce que ça va donner. Donc du coup il va vraiment falloir qu'on fasse attention à leurs guerriers du chaos qui peuvent vraiment nous faire mal. Ah, une chose que j'ai oublié, c'est d'aller voir dans les options pour changer l'opacité de ce truc en bas, pour le laisser en pleine opacité. Bon, tant pis. En plus avec le blizzard on va rien y voir, c'est très lumineux. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Bon allez, on a qu'une minute 47 pour déployer nos troupes, donc on va le faire immédiatement. Ok. Plutôt ici. Non, remarque, non, je vais les reculer un petit peu, donc on va les mettre là. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Ici. Et ici, parfait. Le mec qui est là pour engager, il est ici. Plus un mouvement garde, frappe précise. Ok, et après... Il nous suffit de mettre à l'arrière, voyons voir. Est-ce que je laisse ce 3 quarts ou est-ce que je viens coller Lambert qui a plus 1 en force, qui est quand même sympa. Ouais, il pourra ramasser le ballon si nécessaire. Est-ce que je veux vraiment mon assassin en première ligne? Ça c'est vraiment la dernière des idées, je crois même pas que je veux mon assassin sur le terrain. Quoique, il peut être sympa, du coup je vais mettre un 3 quarts, effectivement, en première ligne. Parade armure lutte, parfait, donc on n'aura pas de coureur, tant pis. Ouais, ils ont tous les deux gardes ici. Lui n'a que 3 d'AG, il pourra pas se sortir. Par contre, lui, il pourra se sortir si. Je pense qu'on est bon. C'est parti. Alors, le truc, c'est que vu qu'ils ont très très peu en agilité, je pense que je vais essayer de balancer la balle devant les lignes. Le temps est parfait, la balle va juste rebondir. Ok, ça va, elle reste assez proche. Donc, on se prend un blitz direct. Défenseur au sol, forcément, défenseur doit être au sol. Boum. Donc du coup, nos lignes de défense sont mortes. Formidable. Oh, le ramassage de balles. Merci. Donc toi, petit monsieur, tu es mignon. Tu as quoi? Plus 1 d'armure, blocage, griffe, corne, régénération et pourriture de Nurgle. Ben moi j'ai une furie, je te la présente, elle s'appelle Lotrina. Et regarde ce qu'elle va te faire. Repousser. Et un deuxième. Merci. Ciao. Et une blessure dans la foulée. C'est pas beau ça. Bon, par contre, elle est un peu au bord du terrain. Ah, mais non, elle peut encore se déplacer. On va la mettre juste là, du coup. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, voyons voir. Ce qu'il faudrait que nous fassions. Je pense qu'on va mettre l'assassin par ici, histoire qu'il vienne un petit peu les gêner. On va venir marquer, voyons voir, avec lequel j'ai garde. Il n'est pas de ce côté du terrain, il doit être de l'autre. Donc, on va venir marquer les joueurs adverses. Comme ceci. Toi, tu as 4 en force. 5 en force, merde. Du coup, lui qui a garde va pouvoir venir ici. On va laisser une furie dans le coin de ce côté-là. Et enfin, je pense qu'on va venir marquer ce joueur-là avec lui. Voilà. Et est-ce qu'on peut cogner un peu par ici? On a un dé là, un dé là. On peut tenter le dé. Ah merde. Non, je veux pas relancer. Tant pis. Juste repoussage. On va pas suivre. Ah, sinon j'aurais dû suivre. Bon, c'est pas grave. Et avec lui, bah du coup, on va se sortir... Ah! Non. Bon, ok, les tentacules me maîtrisent sur place. Très bien. Bon, allez, tu retentes le ramassage de balles, juste pour rigoler? Oh, dommage. 4 plus 1, moins 1. 4 pour du 3 plus. De façon assez habituelle, l'IA fait... Oh, quelle belle esquive. 6 critiques, normal. Oh, l'attaquant au sol, magnifique. Alors,
cette fois-ci, j'ai bien envie d'aller les frapper sur l'arrière de leur cage pour pouvoir mettre un joueur, notamment lui, je pense, qui a glissade contrôlée. Tous les deux, ils ont glissade contrôlée, remarque. Voyons voir si je push avec lui. Il vaut mieux que je me mette ici, je pense. C'est parti. Et merde. Ah, tu peux suivre. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous avons des joueurs de disponibles. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Faut pas trop qu'on reste au corps à corps. Hein. Je vais mettre l'assassin de ce côté-là. Comme ça, ils sont bloqués. Ils peuvent pas vraiment passer de ce côté. Je vais mettre ma furie en embuscade derrière là-bas. Parce qu'elle a arraché le ballon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un blitzer en défense à l'arrière au cas où quelque chose se passe mal. Et la deuxième furie va pouvoir... Voyons voir. On a un dé ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher. Parfait. T'as qu'à le mettre là-bas, oui. Et t'as qu'à suivre. Boum. Voilà. Alors j'ai déjà utilisé mon blitz, c'est normal. Du coup, lui, pour probablement venir en soutien ici. Elle, on va la mettre en soutien ici. Alors j'ai potentiellement un énorme trou en fait. Donc on va plutôt la mettre là. Voilà. Ça ira beaucoup mieux, le problème étant que... Voilà. Nickel. Parfait. Fin du tour. Bien joué. La glissade contrôlée, mon pauvre ami, tu vas te mettre là. Voilà. Et il résiste bien. Le blitz. Oh, belle résistance à nouveau. Ça, c'est mes beaux petits elfes noirs. Oh oui. Éloigne-toi avec la balle. J'ai pas une furie à portée. Ah, dommage. Celle-ci va être à portée. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui va pouvoir ramener jusqu'à lui. Ah, si, quand même. Mais l'avantage, c'est que j'ai un blitzer avec garde qui est là pour ça. Donc, on pourrait mettre lui qui a garde, mais on va le mettre là. Et ma petite furie, du coup, est-ce qu'elle pourra attaquer? Oui, elle peut attaquer. Et bien, ouf, ça fait beaucoup d'esquive, ça, quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va marquer ce joueur-là. Avancer la furie dans le doute. Lui qui a garde peut venir en soutien. Yes. Boum, un KO. Boum. Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre assassin par ici, si la bestiole essaie de se relever. Donc. On va bien repousser ce mec-là. Déjà, on peut venir en soutien ici, du coup. Comme ça, je peux cogner ce type-là. C'est déjà ça de pris. Il a blocage, malheureusement. Je peux le repousser du coup et le suivre. Quant à elle, elle peut, je pense, tenter ce coup-là. Oh merde. Bon, tant pis. C'est pour ça que j'ai tenté cette action en dernier.
Oh, la belle esquive. Bon, il a utilisé une autre lance. Bon, après, il en a 9 par tour. Ah, ouf. M'en fous, j'ai ma furie qui est dans le coin. Oh, oui. Alors. Tu as garde. C'est parfait. Éloigne-moi ce mec-là. Parfait. Voilà. Comme ça, la miss peut ramasser le ballon. Et tu le fais pas tomber, hein. Voilà, merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reculer. Est-ce qu'elle peut faire une tenter la passe? Lui, il a 5 d'AG. Yes! Oh, c'est beau ça! 5 d'AG contre 5 d'AG, quand même, faut pas déconner quoi. Tu peux lui donner la balle. Non, ils sont pas à portée pour aller marquer. Enfin, si, ils seraient à portée pour aller marquer, mais. On va faire ce qu'on va se mettre là. Ah, il est intrépide lui en plus. On va mettre le mec qui a plus en force en soutien. Ah merde, par contre, ouais. Donc, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Comme ça, on va bloquer les adversaires de venir carrément. Soldat. Garde frappe précise. On va voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut. Non. Même pas besoin. On est bien comme ça. Hein. T'as combien toi d'armure? 9. On va quand même se sortir de la zone. S'éloigner. Yes. Et bah, quant à tous ces gens. Je pourrais au moins me mettre là. Du coup, pour pouvoir cogner ce mec. Parfait. Boum, un KO. Quant à toi, t'as qu'à rester là et toi tu restes là. Fin du tour. On va voir ce qu'il va faire. En plus, Litty, il a bien besoin de marquer, il lui manque un peu d'XP. Oh, la belle esquive. 2 plus 2. 4. Ah non, ça c'était à cause du... c'était l'autre. 4 plus 1, 5. D'accord, normal. Ok, grâce à la garde, ça s'est bien passé. Ouais, t'as qu'à te mettre là. Ouf. Et voilà, c'est à moi. Donc, Lithil a besoin de marquer. C'est parfait. Est-ce que je peux cogner avec des gens? On va les redresser quand même, on sait jamais. Je pense pas vraiment pouvoir cogner. Toi tu as garde, tu peux venir là. Toi tu as lutte. Dans le pire des cas, j'ai une relance. Bon bah ce sera un coup de lutte. Voilà. Je connais avec lui. Dommage. Ah bah j'utilise ma relance. Non, je peux utiliser ma relance. Ok. Ça c'est quand même vachement tentant. J'ai blocage avec elle, ça va. Ouf. Bon, tant pis, j'aurais aimé le repousser dehors, mais bon, c'est pas grave. Allez, Litil, Litil, à toi la gloire. Bien joué. Bon, bah, le match commence bien. C'est eux qui avaient la balle. Et on marque. Donc, ouais, leur mec finalement n'était pas blessé, on dirait. Du coup, ils ont un guerrier du chaos qui revient. Je sais pas si c'était vraiment un guerrier. Si, c'était un guerrier. Alors, en termes de déploiement, on est toujours bon. Oui. Toujours bon, toujours bon, toujours bon. Et toujours bon. On nous donne le coup d'envoi. Donc, on va faire la même. Par ici. Ah, je peux me... J'ai un tour supplémentaire gratuit. C'est cool ça. Donc bah on a qu'à aller blitzer ce mec là. Ah, il a blocage lui aussi, donc on va juste le décaler. Je vais pas le suivre. Voilà. Et quant à la balle. Ah merde, la balle tombe sur mon joueur. Donc c'est lui qui aura la balle avec le joueur qu'il veut. Tant pis. On va se mettre là. Venir verrouiller ce coin-là.
Et avec la furie, on va venir dans le creux ici. Quant à lui, il va venir là. Parfait. Bon, la balle a été mal tirée. Du coup, c'est un pourri qui l'a. 3 d'AG, joli. Hein. Défenseur au sol. Hein. Bon. Un petit stun. C'est quoi ce blitz? Oh, ce blitz de la mort. Repousser uniquement. Je vais te repousser à mon tour, tu vois. Que fait le porteur de balles? Surtout ça qui m'intéresse, moi. Ouch. Le mec qui avait garde ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, la belle esquive! 4 plus 1 quoi. Ça c'est pas de la moule, je sais pas ce que c'est. Ah merde, j'ai pas glissé de contrôler avec lui. Ouf! Non. Bon! C'est un peu la... ça pue un peu la merde là quand même. Je peux pas blitzer le porteur de balles. Ben si, je pourrais, mais ça va me coûter cher. Faut que je revienne en défense, je pense, avec 2 joueurs. Sait-on jamais. Voilà, avec elle, je vais la mettre ici. Bien. Non, il faut que je pousse avec lui. Ne pas utiliser le poignard. Parfait. Non, tu vas pas suivre. Voilà. Comme ça, elle peut venir par là. Avec lui, je vais me reculer d'un plan. Voilà. Super. Et avec lui, on va se reculer comme ceci. Nickel. Et lui, ça me sert à rien qu'il reste corps à corps avec ce mec-là. Donc on va juste faire le tour à l'arrière. Voilà. Comme ça, on a un joueur placé. Et lui, c'est un peu la même chose. Je voudrais le sortir et le mettre là. Parfait. Bon, il n'y a que par là qu'il peut passer. Mais j'ai lui qui est là pour venir les faire chier. Sinon, non, tu sais quoi, on va faire ça. Voilà. De toute façon, il reste 2 tours. Oh, le blitz. Oh, joli. Bon, il fait une belle cage. Là, une cage, c'est entourer le porteur de balles avec plein de joueurs. Faut que le porteur de balles soit inaccessible. Bon, pourquoi pas. Bon, on peut se relever. Alors, on n'a qu'un seul dé ici. On va venir à l'arrière comme ceci, comme ça on peut cogner avec lui. Non, le problème de la compétence poignard c'est qu'elle ne passerait jamais quoi. Voilà, ensuite on va venir ici. Parfait, on vient en soutien. Voilà, ici on va s'avancer d'un cran, on va venir en soutien, comme ça ils ne pourront pas passer. Et ici je vais venir bloquer la gauche, voilà. Donc là à mon avis il ne va pas pouvoir faire grand chose. À toi, son dernier tour. Bon, là, par contre j'ai plus de joueurs en position de marquer mais c'est pas grave. Allez,
Ah ouf. Commotion, ça va. Non, je soigne pas. C'est qui? Plus en force, garde lutte. Dommage. Joli blitz. On va se mettre là. Belle glissade contrôlée. Bon alors, t'as rien de mieux à proposer là? C'est à moi? Bon bah... Oh merde, bon j'utilise ma relance. Voilà. 2, 1. Oui. J'ai intrépidité avec elle. Donc je peux... Ah mais j'ai pas garde avec lui. Donc je peux venir jusque... Ouais non, je vais pas faire ça. Si j'essaie de cogner à 2D, je risque d'avoir une mauvaise surprise. Ouais. Et voici la mauvaise surprise. Ah putain, voilà. Bon, ben voilà. Fin de la première mi-temps. Donc merci à tous. Du coup, je vous souhaite une bonne matinée. Et je vous dis à tout à l'heure, 15h, pour la diffusion de la deuxième période de ce match. Salut à tous!